Ça marche. J'ai eu un gros bug, j'ai parlé devant la caméra pendant 10 minutes dans le vide. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un nouveau challenge construction pour cette nouvelle année puisque vous avez été pas mal à me demander un nouveau challenge suite à mon truc complètement what the fuck. Je suis désolée, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, je vais devoir me répéter encore et encore. Je m'en excuse. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, sur ma chaîne, j'ai lancé un challenge qui s'appelle On a échangé nos maisons, Sims. Donc en gros, avec d'autres youtubeurs. Donc en gros, on fait chacun de notre côté un terrain assez moche que l'on s'échange et on doit arranger ce terrain pour faire quelque chose de joli. Sauf que on ne peut ni supprimer les murs ni les déplacer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces vidéos. Et donc il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un challenge avec vous. Donc moi, je crée un terrain assez moche, assez horrible, enfin avec des murs pas du tout symétriques. Vous avez été beaucoup à détester d'ailleurs. Et donc, je vous ai fait un terrain et je vous avais lancé le défi de arranger cette chose. Et vous avez été quand même un petit nombre à me faire vraiment des choses incroyables. J'aurais jamais pensé à faire ce que vous avez fait avec mon terrain complètement what the fuck. Moi, j'étais pas du tout inspirée personnellement par mon terrain. Et vous avez quand même pas mal participé et vous avez apprécié ce challenge troll. Donc, je vous remercie pour ça. Et donc j'ai décidé que, vu à quel point vous avez aimé mon challenge et à la fois détesté, je me suis dit, il est grand temps pour vous de vous venger. C'est-à-dire que cette fois, on va inverser les rôles. Je vous donne le défi donc, de me créer un terrain comme vous voulez, n'importe quel monde, n'importe quelle taille, n'importe quel budget. Donc il n'y a pas besoin de mettre de meubles hein, normalement, parce que je peux les supprimer, donc ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez mettre des petits objets de what the fuck comme moi j'avais fait. Donc vraiment faites un terrain horrible, éclatez-vous avec les murs parce que je ne pourrai ni les supprimer ni les déplacer. Amusez-vous aussi avec le nouveau outil de terrain en faisant des montagnes, des collines ou que sais-je. Allez-y, lâchez-vous. Donc quand vous avez fait votre petite horreur de terrain, vous le mettez dans la galerie avec le hashtag Elantia Vengeance. Et donc je vous laisserai jusqu'à mi-février, on va dire, pour me créer votre petite horreur. Et mi-février ou fin février, ou je vous redirai, je ferai un live où je regarderai vos terrains magnifiques. Et ce sera à vous de sélectionner durant ce live le terrain le plus what the fuck de tous les temps. La personne qui gagnera, donc gagnera entre guillemets, durant ce live aura la chance de me donner son horreur. Et pour que je fasse une vidéo, on a échangé nos maisons. Donc c'est là cette fois-ci, je reçois l'horreur et je dois l'améliorer. Voilà. Donc je pense que vu votre inspiration, what the fuck, hein, pour certains, machiavélique et sadique, je pense que je vais galérer, très clairement. Je sais même pas si je vais réussir ce challenge, très clairement. Mais bon, on va essayer. Et je me suis dit aussi, s'il faut vraiment être sadique jusqu'au bout, que je pourrais rajouter la règle avec le nouveau petit terrain. Donc, si vous faites un terrain avec des collines et tout, que je ne pourrais pas non plus modifier ce terrain. Je ne pourrais pas enlever ces collines ou ces trous ou que sais-je. Je ne pourrais pas l'aplatir. Voilà. Je ne suis pas encore sûre ça, si je le fais ou pas. J'ai peur que ça devienne encore plus dur et impossible. Je ne sais pas. Vous me direz votre avis en commentaire. Vous connaissant, vous allez dire oui, on met cette règle pour que ce soit encore plus dur. Enfin bref, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère vraiment que ce nouveau challenge, beaucoup plus abordable que celui juste avant, vous plaira. Et si je vois que ce concept me plaît et qu'il vous plaît à vous aussi, pourquoi pas continuer après et prendre petit à petit vos autres constructions, donc ceux qui n'avaient pas forcément gagné durant le live, pourquoi pas donc prendre vos autres constructions et en faire une série de vidéos où j'essaye d'arranger vos terrains. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa si, ouais, si ça vous plaît et si ça me plaît, ouais. Moi, je pense que si ça vous plaît surtout à vous, ouais. Je me vois bien lancer une petite série hashtag Alantia Vengeance où j'essaie d'arranger vos petites horreurs. J'ai hâte de voir vos créations so magnifiques.
ouais, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir tout ça en live. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me faire. J'adore vraiment faire des défis construction avec vous. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Donc j'espère que oui, vous serez un petit nombre à participer. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!